Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui les Loni Shmat, Avram Chaïn, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, et Yedida, Batester. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, écoutez, c'est 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Erevin, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Haïcha, Sheyotza, Le Hareg, El Mamtin La Hachetelet. Yashva, Al Hamashber, Mamtin La Hachetelet. Haïcha, Sheneherga, Nehenin, Bisara, Behema, Sheneherga, Asura, Ba'anaya. Une Mishnah qui n'a pas de rapport avec Erchin, mais c'est juste que dans la Mishnah précédente, on a parlé de la personne qui est en train de sortir se faire tuer en lui parlant de sa valeur, si on faisait le vœu de donner sa valeur, le RR, tout ça. Et du coup, on a une Mishnah qui va venir nous donner deux tralachot qui concerne une personne qui est en train de se faire tuer, en train de sortir se faire tuer, en l'occurrence, une femme enceinte. Et la Mishnah enseigne « Aisha sheyotza lehareg », une femme qui est en train, condamnée à mort, qui est en train de sortir pour se faire tuer. On n'attendra pas qu'elle accouche avant de la tuer. On va expliquer pourquoi, mais d'abord je continue la phrase suivante. Yashva al hamashber. Par contre, si elle s'est, elle était installée, elle était assise sur le mashber. Le mashber, c'est, je crois qu'il n'y a pas de mot en français pour dire ça, c'est l'endroit où la femme, le lit sur lequel une femme accouche. Ça s'appelle le mashber. Une salle d'accouchement, on pourrait traduire ça un petit peu grossièrement, sauf qu'une salle d'accouchement, on parle du lieu. Et le mashber, c'est plus allusion au lit spécial où est-ce qu'elle accouche, apparemment une position plus agréable où elle peut mieux le faire descendre. En tout cas, si elle était déjà en travail, tout simplement, donc si elle était en travail, eh bien, mamtininla achiteled. On attendra d'abord qu'elle accouche avant d'aller la tuer. De quoi on parle? Comme vous avez compris, on parle d'une femme, bien sûr, qui est enceinte, qui a été condamnée à mort. D'abord, une petite parenthèse, une halakha qui est écrite dans le Tiferet Israël, qui est rapporté ici que si toutefois on n'a pas commencé à juger la femme, eh bien, comme ça, il prétend qu'il faudra attendre qu'elle accouche et seulement après on jugera la femme. Mais il y a une halakha par contre, qu'à partir du moment où on a prononcé le verdict d'un condamné à mort, il faut aller le tuer très vite. C'est une halakha qu'on avait déjà évoquée dans Sanhedrin, le Inouï Adin, ne pas faire souffrir la personne condamnée, excusez-moi, ne pas faire souffrir la personne condamnée à mort, c'est-à-dire, une fois qu'une personne est condamnée à mort, c'est une très grande souffrance. Morale de tant qu'elle n'est pas exécutée. Donc, depuis le moment où on a prononcé le verdict, il faut faire vite pour aller la tuer. En l'occurrence, on est en train de parler maintenant d'une femme qui est enceinte, elle va peut-être accoucher dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même 2 jours, 3 jours. Elle n'est pas encore en travail en tout cas. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on a prononcé le verdict, il faut tout de suite aller la tuer, quitte à tuer le petit qu'il y a dedans, bien que le petit. Alors, la définition du petit qui est à l'intérieur, c'est assez délicat. Parce qu'il va falloir jouer entre deux notions. Expliquer qu'il fait partie intégrante de la mère, mais pas complètement. C'est-à-dire, pourquoi pas complètement? Parce que justement, lorsque Yashva la Majber, qu'elle a déjà commencé à s'asseoir, elle a déjà commencé le travail pour l'accoucher, et bien dans ce cas-là, on attendra qu'elle accouche. Et la raison pour laquelle on attendra qu'elle accouche cette fois-ci, c'est d'un pasouk, c'est une svara plutôt, ça rapporte dans le Barthénois, qu'étant donné qu'elle a commencé, depuis le moment où elle commence le travail, le petit a déjà commencé à pousser à sortir. Donc dans ce cas-là, on va considérer le petit comme une partie extrinsèque d'elle. C'est-à-dire, c'est autre chose. Il y a elle et il y a le petit. Et le petit, il n'est pas condamné à mort. Il n'a pas fait de Avera, lui. Si la mère a fait une Avera pour laquelle elle est condamnée à mort, le petit n'a pas fait de Avera. Donc il n'y a pas de raison de le tuer, le pauvre. Mais malgré tout, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, alors là, c'est là où ça devient délicat. C'est déduit d'un pasouk, mais c'est déduit d'un pasouk qui va nous dire que finalement, il ne fait peut-être pas partie intégrante de la mère, puisqu'elle n'a pas fait de Avera, lui. C'est un être à part, il n'est pas condamné à mort. Mais malgré tout, tant qu'il est encore dans le même lot avec la mère, eh bien, il devra subir la sentence de sa mère, d'accord? Voilà pour l'idée qui est évoquée dans le Mishnah. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Il y a bien sûr encore allongé, il y a un Tiferet Israël qui parle un petit peu plus. Bon, le principe, on a déjà dit les points essentiels. Maintenant, deuxième sujet. Haïcha Sheneherga. Si déjà on est un peu morbide aujourd'hui, alors on continue un petit peu avec les femmes qu'on exécute, qu'on tue, qu'on va tuer. Haïcha Sheneherga Nehenin Bisara. Une femme qui a été. D'abord, je traduis parce que c'est une halakha fausse. D'accord? Je préviens avant, comme ça, ne retenez pas ce qui est écrit, c'est faux. Mais pour le moment, tel que c'est écrit. Haïcha Sheneherga. Une femme qui a été condamnée à mort, qui a été exécutée même. Nehenin Bisara. On a le droit de profiter de ses cheveux. Tandis que Behema Sheneherga, tandis qu'un animal qui a été tué, c'est-à-dire un animal sur lequel qui a fait une avéra, qui a tué quelqu'un, ou bien qui avait un rapport avec un être humain, que lui était actif ou même passif,
Il faudra le tuer, l'animal elle aussi, il faudra lui faire la skila. Et bien dans ce cas-là, Asura Banaya, on ne pourra pas profiter de rien du tout de ce qu'il y a là-bas, il faut le laisser pourrir tout seul. On n'aura pas le droit de partir, lui, si c'est un mouton par exemple, on n'aura pas le droit de partir lui peler la laine, lui, je sais pas comment dire, lui tondre la laine. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit. Maintenant, je dis, l'alakha, elle est fausse. Tel que c'est écrit, c'est faux. Il y a un issur midoraita de profiter à la fois de ce qui est intrinsèque aux morts, ses cheveux, ses ongles, mais même pire que ça, même les toutes sortes de noyamet, machinika, ce qu'on appelle noyamet, ce qui vient pour, ce qui fait partie d'un ce qu'on a rajouté sur le mort pour l'embellir, pour lui donner plus d'honneur. Il y a même une halakha rapportée dans le Tiferet Israël. Si au moment où il était en route, on lui portait son cercueil, les gens lui ont jeté là-bas des choses pour qu'on les enterre, ces choses-là qui vont toucher le mort, eux-mêmes devront eux aussi être enterrés. Pour certaines choses interdites, il y a un interdit midoraita. C'est déduit par juxtaposition dans la Torah. Il y a marqué sur Myriam et Elia, lorsqu'elle est décédée, Myriam, il y a marqué Vatamot Sham Myriam. On apprend Sham Sham Mizrachava avec Egla Arufa. Qu'autant que la Egla Arufa, la génisse eunuquée, je crois qu'on dit en mot français, on l'a brisé la nuque, on avait évoqué ça dans Sanhedrin, et bien autant que, je sais plus si c'était Sanhedrin, Zvachim plutôt, je crois. Et en tout cas, il y a marqué là-bas en Amérique, autant qu'elle est interdite d'en tirer profit, alors il ne faut pas tirer profit non plus d'un mort, et même aussi de son linceul, de même d'une chose, si on a voulu l'enterrer avec sa montre, je ne sais pas. Ce qu'on a voulu lui mettre pour l'enterrer, ben on n'a pas le droit de tirer profit. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de profiter de ses cheveux? En fait, alors, le principe, il y a deux manières d'interpréter. On va rester fidèle au Barthénois, on va d'abord apporter le Barthénois, après on va expliquer ce qui est du Tiferet Israël, c'est un peu plus aiguisé. Le Barthénois, lui, propose tout simplement que, selon le principe, ce qui est rattaché au corps de la femme, même un bracelet avec lequel on va aller l'enterrer, et bien ce bracelet, il sera interdit d'en tirer profit. Sauf toutefois, si la femme... On va parler d'abord d'un bracelet, comme ça va être plus simple. Si elle a toute femme, la femme, elle a dit ce bracelet avant de décéder, elle a dit ce bracelet, je veux que vous le donniez à sa petite fille. Après, elle est morte. Après, même, on était sur le point d'enterrer ou peu importe, il y avait le bracelet qui était encore accroché. Alors, il me semble, tel que j'ai compris, qu'on a le droit de sortir, de récupérer ce bracelet. Il n'y a pas de problème de le récupérer. Pourquoi? Parce que. Étant donné qu'elle n'a pas voulu qu'il reste sur elle, alors il n'a pas pris le statut du mort, donc il n'est plus interdit d'en tirer profit. Maintenant, on revient sur les cheveux de la femme. On parle en fait d'une femme qui a une perruque, qui a donc fait grossir le volume de ses cheveux, d'une péa nochrit, c'est-à-dire une touffe de cheveux qui vient d'une femme externe, pas d'une goya. Nochrit, ce n'est pas forcément goya, c'est quelqu'un d'externe. Donc, on parle qu'elle a pris des cheveux, donc elle a une perruque de quelqu'un d'autre, et qu'avant, pendant qu'elle était, elle a déjà été condamnée à mort, et elle a dit, je veux que ces cheveux-là, cette perruque, que vous la donniez à un tel. De ce fait, alors elle a dévoilé maintenant son intention, qu'elle n'a pas du tout envie que ça fasse partie intégrante d'elle. Donc si en fait on a oublié de lui enlever cela, cette perruque, avant de l'exécuter et qu'après elle est morte, on pourra le récupérer ensuite, parce que ça, le fait d'avoir dévoilé qu'elle ne veut pas que ça reste avec elle, alors c'était pas une partie intégrante d'elle, c'était qu'une... Techniquement, on s'est trompé, on lui a laissé un objet collé à elle, mais ça n'est pas une partie intégrante d'elle. Donc dans ce cas-là, on pourra le récupérer. Comme ça, le Barthénois interprète. Selon, il y a un petit problème ensuite pour regarder la similitude avec l'animal qu'on interdit en toute situation. Donc du coup, le Tiferet Israël, il préfère faire un petit peu autre chose, améliorer le cas, et dire qu'en fait, non, on parle d'une femme qui était condamnée à mort déjà, et qu'elle a dit... Pendant qu'elle est encore vivante, elle a dit vivante et condamnée à mort, elle a demandé qu'on lui coupe les cheveux pour qu'elle puisse les donner à telle femme, pour qu'elle en fasse de cela une perruque. Alors dans ce cas-là, si on lui a coupé les cheveux, et qu'après elle les a remis sur elle pour le moment pour ne pas rester la tête nue par exemple, ou bien, j'espère que je n'en ai pas rajouté trop, en tout cas, si on l'a coupé, après elle a remis cette perruque avec intention de le redonner à la femme, à l'autre femme qu'elle avait voulu, et bien dans ce cas-là, ses cheveux ne seront pas interdits après sa mort. À la différence de l'animal, qu'à partir du moment où on a décrété sur l'animal qui serait condamné à mort, on n'a plus le droit de tirer profit de rien du tout, c'est-à-dire que si en fait on a un mouton qui a écrasé un bébé, race de chaleur, le mouton, il va falloir lui faire la skila, il va falloir le lapider, il est condamné à mort. Et bien, une fois qu'on va décréter que le mouton, ça, il est condamné à mort, le bedin, il va s'asseoir, il va convoquer tout le monde, et bien on va décréter que le mouton est condamné à mort, on ne pourra plus
le tondre pour récupérer sa laine depuis le moment où le verdict a été prononcé. On n'a plus le droit d'en tirer profit. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, c'est là.